Et bien salut à tous, c'est Superflo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Apex Legends, et ça y est, nous sommes de retour sur le jeu, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. On va découvrir du coup cette nouvelle saison, vous pouvez voir du coup il y a une nouvelle map, plus la nouvelle légende, donc il y a plein de nouveautés sur cette saison. J'espère que cette saison elle va être bien, donc on regarde un peu, on va voir du coup, ça n'a pas changé au niveau du menu, ok. On va regarder au niveau du coup du passe de combat, le son il m'a un peu surpris. Alors on va voir ce que les skins sont intéressants ou pas. Ça je sais strictement rien, donc on va découvrir tout de suite. Ok, les trois premiers ça passe. Ok, il y a un skin pour l'arc. Bon, du coup ça oui, il vous offre quand même. On a eu comme cadeau le premier, la première bannière. Bon après voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Les bannières, par contre, je les trouve vraiment stylées comme à chaque fois. Les armes, un peu moins. C'est ça que je trouve un peu dommage. Avant, c'était bien les armes sur Apex. J'espère pour toi que t'essayais pas de m'impressionner. Avant, les armes sur Apex, c'était super bien au niveau des skins. Mais maintenant, ça a changé. Ça ressemble plus à grand chose. Alors, je vous montre pas les bannières comme ça sert à rien. Ouais, vous voyez, regarde, pour le RE45, il est pas stylé. Le petit mirage, qui est vraiment pas mal, le mirage comme ça change. Spitfire, ouais, rien mieux à vrai dire. Les bannières par contre sont vraiment stylées de ouf. C'est la belle qui a tué la bête. Mais c'est la belle qui a tué la bête. Et accessoirement, la violence, les combats, la mort, et tout. Ok. Ah, les armes, je suis vraiment pas fan au niveau des skins d'armes. C'est ça qui est un peu dommage sur Apex là, c'est que ouais, les armes sont pas. Même les skins, hein, les skins de. Après voilà. C'est mon point de vue, bien sûr, comme d'habitude, ça m'empêchera pas de jouer à la saison. Si vous voulez jouer avec moi sur Apex, ça se passe sur mon Discord. On va pouvoir jouer ensemble les après-midi. Et pourquoi pas, voilà, faire des petites games ensemble, que ce soit en rank ou en normal. Donc si vous voulez jouer, ça se passe sur mon Discord. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je dois avouer que tu sais comment me redonner le sourire. Moi, j'ai pas tout écouté non plus au niveau des trucs comme ça, mais voilà. RO45, ouais, je suis pas vraiment fan. Ah, les bannières. Un graveur. Une emote. Fusil triple. Une émotion. Porte-clés. Ouais, caustique. Ouais, un caustique, ouais, non. Heureux sont les puissants car ils vaincront toujours les faibles. Ok, la bannière de caustique elle est stylée de ouf. Ah, ça là aussi j'aime bien. On arrive bientôt à la fin du pass de combat. En revenant, on a quoi? On a Flatline, fusil à charge. Revenons comme ça. Ouais. Et voilà, j'ai tué. Tu es qui déjà? En même temps, peu importe, je m'en fiche. J'ai pas vu la nouvelle légende dans le pass de combat où on est passé super vite et j'ai pas fait gaffe. C'est marqué ça? Horizon. Non, pas Horizon, mais je sais plus comment ça s'appelle. Valkyrie. C'était marqué en plus. Ok, on a un petit truc en plus pour la Prowler. Ouais, là, ça envoie. À la fin, c'est toujours stylé en final. Hein. Ça a de la gueule, là, ça envoie. J'ai pas vu la nouvelle légende. Des fois, il y est dans le pass de combat. Pour ceux qui peuvent pas l'acheter avec les points, vous pouvez l'avoir. Mais ouais, non, j'ai pas vu. On va aller dans la boutique. Et je sais plus c'est dans quoi. Aucun prix. Donc là, il y a un pack en plus. C'est de légende. Elle est là. Elle est là, la petite légende. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des skins? Oh yes! Oh, c'est stylé de ouf! Ouais, ok. Alors, comme d'habitude, vous savez très bien que vous allez l'avoir avec soit 700 pièces ou avec les pièces rouges. On la débloque, bien sûr. Façon, vous savez très bien aussi, c'est que vous allez avoir des skins dans pas longtemps sur Twitch avec Twitch Prime.
vous allez pouvoir avoir un skin sur la nouvelle légende. Comme d'habitude, on va aller juste au stand de tir, puis on va découvrir un peu la nouvelle légende. C'est parti. Donc du coup, nous voilà au stand de tir. Il y a aussi une nouvelle arme. On va essayer de regarder. Alors, je sais pas dans quoi la catégorie se trouve, mais en principe, il y a une nouvelle arme. Donc on va regarder les armes qui sont rouges du coup. Pitfire qui va être toujours rouge. Artanator, G7 et Crapper. Ok, les armes qui retournent au sol, je sais pas ça va être laquelle du coup. Alors, la saison dernière, j'ai pas trop joué, à vrai dire. Voilà. Ah, fusil triple devient jaune maintenant. Ah ouais. D'accord, c'est bon à savoir. Bah voilà, maintenant vous savez. Dévotion, ok, Elstar. Un peu surpris quand même que le fusil triple devient... Ah bah c'est celle-là, je pense, la nouvelle arme. Ça doit être celle-là, je pense. Par contre, c'est vraiment elle. Bah là on voit, qu'est-ce qu'on peut l'équiper? Chargeur, cross et viseur dans tous les cas. Ah non c'est cross, oui, cross et viseur, ouais. Ah elle est stylée la nouvelle arme, à vrai dire. Ah on peut la changer de couleur, regardez les amis. Donc en gros... j'arrive plus à aller dans mon inventaire. Je vais essayer de retirer l'arme en fait. J'arrive plus à aller dans mon inventaire. Mais en gros, regardez. Il vous reste 16 balles dans la RO45. Donc en gros, quand vous changez, vous pouvez avoir les balles de du RO45. Donc là, on a pris tous les balles du RO45. On a les 16 balles. Et l'avantage... Voilà, l'avantage c'est qu'on peut utiliser les munitions légères. En plus, ça c'est bon. Donc voilà. Oh la nouvelle arme, elle est stylée de ouf hein, à vrai dire. Alors, légende. Piège à arc, capture, ok. Et ben vous savez quoi, c'est qu'on va la découvrir tout de suite. Ça, ça ressemble un peu à aux grenades collantes qu'on a dessus. Pas si vite. On n'échappe pas comme ça. Ok, du coup, ça bloque la personne. Ça leur enlève un peu de shield. Ok. Son atout, c'est une épée. On va essayer de la lancer, là, puis on verra bien. Ok, ça vous TP en fait. Ah, c'est un portail en fait. Ah, c'est stylé. Ça va être stylé, ça, par contre, les amis. En gros, son truc, c'est un portail. Donc, ça peut être pas mal. Après, vous allez me dire qu'il y a déjà deux personnages comme ça. Avec elle, ça fait deux, mais voilà. Mais, ça reste stylé, parce que si je tente un truc, faut voir la distance qu'on peut lancer, en fait. On va aller voir tout de suite. La distance que je peux lancer ça, c'est intéressant de savoir aussi. Ouais, j'ai utilisé là. Ah, on peut le lancer assez long quand même. Hein. Cette déchirure nous donnera l'avantage. Ah, par contre, vous pouvez le prendre que d'un seul côté. Donc là, je peux pas le reprendre. En fait, si je veux le reprendre. Par contre, ça enlève la vie. Hein. J'ai l'impression. Ah non, c'est parce qu'on a tiré dessus. Par contre, c'est un peu dommage, c'est que vous pouvez pas le remonter en fait. Vous voyez, vous pouvez juste l'utiliser pour descendre, mais vous pouvez pas remonter sur. Sur le bâtiment, donc voilà, c'est pas comme avec vrai. Ça enlève la vie, c'est déjà pas mal à vrai dire. Donc voilà un peu la nouvelle légende, vous avez pu voir, elle a un portail aussi à lancer, et du coup elle a un petit atout qui vous permet de tout simplement d'exploser, c'est comme une mini grenade, ça explose autour des joueurs. Donc moi j'aime bien,
à tester en game, ça peut être intéressant, mais par contre, ouais, ça va être galère. C'est que le portail, si on peut le prendre que d'un seul côté, on va être vite perdu. Mais ça peut être pas mal. Par exemple, il y a des joueurs là-bas, vous lancez le truc et vous partez directement à les rush. On va juste le activer. Je vous montre encore une dernière fois. Mais c'est ça en fait, le portail, vous pouvez le lancer super loin, mais par contre, vous pouvez pas le prendre de l'autre sens. Il y a juste un seul sens. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez le lancer loin quand même. Hein. Alors loin, non, vous pouvez pas les déplacer pour les labos par exemple. Comme par exemple la tyrolienne ou ce genre de choses. Il y a le cercle bleu, je sais pas si vous le voyez là, par exemple sur le joueur, il y a un cercle bleu, et bah c'est les endroits qu'on peut lancer. Donc par exemple, on va essayer de lancer, bah tiens, on va le lancer sur lui. Je traverse la réalité. Hop là. Et l'avantage, c'est qu'on arrive derrière. Il y a moyen de tuer facilement les joueurs. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va découvrir un peu la map un peu plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez un peu du poste de combat, cette nouvelle saison, cette nouvelle map et cette nouvelle légende plus la nouvelle arme. Dites-moi le dans les commentaires. Et bien sûr, encore une fois, si vous voulez jouer avec moi, ça se passe sur mon Discord. Et moi, je vous dis à très vite et salut à tous.